sans abri. Ok, donc là on va la retrouver un peu plus âgée. Pas forcément en bonne posture. Bon, encore une fois, les essuie-glaces, c'est pas ça. Ni les traces de voiture dans la neige. Ok. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il nous indique pas l'âge de Jodie à chaque début de séquence. Ça aurait pu être intéressant, ça. Mais là, théoriquement, c'est après la CIA, elle s'est déjà barrée, c'est après Fugitive. C'est pour ça que je ferai peut-être un deuxième run. Avec le nouveau mode qui permet de faire le jeu d'une manière chronologique. Probablement en version originale sous-titrée aussi, ça peut être sympa. On verra ça quand j'aurai fini déjà cette partie. Alors le téléphone. On a de la monnaie? Elle est pas bien du tout. Oh. Donc oui, hein, il y a des rediffs hein, de ce jeu, ne vous inquiétez pas. Tout ce que je fais en live est rediffusé. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on doit faire du coup. Oh putain. Je vais mourir de froid. Ah mais elle est... Elle a des trucs qui lui tournent autour, c'est ça. Cassez-vous. Et en permanence apparemment. Attendez, il y a quelqu'un. À l'aide. Monsieur. Please. Enfin... Si, voilà. Sors de ta poubelle. Regarde autour de toi. Oh. Oh. Sors de ta poubelle, j'ai dit. Oh mais... Lâchez-la! Merci. On va lui mettre un coup de caddie dans la tronche. Je deviens fou quoi. C'est pas vrai.
commençais à croire que tu te réveillerais pas. Où est-ce qu'on est ? T'es chez moi, petite. C'est pas très luxueux, mais... c'est calme. Je t'ai trouvé dans la rue, il y a quelques jours. J'étais mal en point. Vous vous êtes occupé de moi ? Bah, tu parles, il fallait bien. J'allais pas te laisser là, crever comme un chien dans la rue. Je m'appelle Stan. Et toi ? Jody. Bienvenue dans le monde des vivants, Jody. J'aime avoir de la compagnie de temps en temps. Tu veux du café ? Il est fort, il a un sale goût, mais... ça te chauffera. Merci. Ça fait longtemps que t'es à la rue, petite. On peut se relever direct, mentir, vérité... voilà, vérité. Merde, j'ai pas eu le temps. Ah, j'ai le temps que je réfléchisse. Trop tard. Reste ici si tu veux. J'ai pas grand chose, mais... ce qui est à moi est à toi. Bon, au moins il est généreux. Merci. Notre copain Stan, nouveau meilleur ami. Alors apparemment on peut lui parler davantage. On peut se réchauffer les mains. Ok. Donc le plan avec le feu, on dirait celui de Sephiroth. Bah, j'y ai pensé. Et d'ailleurs, j'ai... enfin, je dis peut-être une bêtise, mais j'en ai pas souvenir dans la version PS3. Donc c'est peut-être tout simplement que je l'ai oublié, mais je pense que ça m'aurait marqué un peu. Enfin bon. On va repapoter un petit peu avec lui. Qui sont les autres ? On a vu la rouquine derrière. Tu connais les autres ? Là-bas, c'est Walter. Bon, il avait un peu trop le coude, mais c'est un bon gars. Là, c'est Jimmy. Il vaut mieux le laisser quand il n'a pas sa cam. Cette fille, c'est Tuesday. Elle est enceinte. Bon, on va peut-être le remercier aussi. Merci, Stan. Salut Soso, hello. Aider. Pourquoi tu m'as aidé ? J'allais pas te laisser mourir de froid. Je pouvais t'aider, alors je l'ai fait. C'est pas grand chose. Faire confiance ? Mais je sais pas, c'est une question ou... bah, attendez, on va regarder. J'aurais préféré que tu me sauves pas. Ah, confiance ou confidence, attendez. Je suis pas sûr d'avoir bien lu du coup. Petite. Je sais. Mais on passe tous par là. Parfois, faut savoir s'accrocher et attendre que ça passe. Écoute, tout le monde ici a sa place. Faut juste un peu de temps pour savoir où elle est. Ok, alors on me demande si je vais faire du armello, je sais pas comment, non. C'est pas prévu, je connais pas. Donc je me rappelais de leur tête à eux, mais alors les prénoms, pas vraiment. Donc on va faire le tour des persos un petit peu. On va aller voir Tuesday. Salut. Salut. Elle veut pas nous parler ? Ah, faut interagir avec le feu. Ou pas. On peut pas lui parler. Ok. Okay. Non, c'était bien écrit confiance. Alors du coup, j'ai pas trop compris le rapport avec la phrase qu'on a eue avec Stan. Enfin, bon. D'accord, on peut la regarder, mais on peut pas lui parler. Bon bah, salut. Je m'en vais. Alors pour ceux qui redemandent ouais, la rediff de Tekken, elle sortira probablement ce week-end. Ah d'accord, le mec se balade quand même avec... alors je sais pas si c'est un couteau ou un tournevis. Je vois pas très bien.
Mais c'est pas très rassurant. Bah, bon, si on peut pas vous parler, je m'en vais. Hein. Salut. Hein. On va quand même voir le mec qui picole, Walter, je crois. Ouais, d'accord. Bon. T'as ressuscité, ma petite. Alléluia, merci Seigneur. Bienvenue dans notre royaume magique, ma chérie. Ok. Du coup, je crois que ce chapitre est assez long. Donc le live va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. Je ne sais pas. Et là, on est quoi? Ouais, on est sous un pont, apparemment. Ouais, d'accord. Quoi? Sérieusement? On peut sauter? Laisse-moi tranquille. Ça fait des semaines qu'on fuit. Et pourquoi? J'ai pas de maison. Pas d'argent. Rien à manger. Ma vie est un putain de fiasco. J'en ai marre de courir. Je laisse tomber. T'as compris? J'abandonne. On n'a plus rien à manger. Va falloir faire quelque chose. Tu veux voir comment ça marche ici? Ok. Bon. Donc on va le suivre. Donc oui, Fiasco est parti, dommage. Son nom a été prononcé dans le jeu. Non mais elle est vraiment pas bien, hein, la pauvre. Niveau moral, c'est pas ça du tout. Hein. Salut Damien. Sora, t'aurais suicidé, Hélène. Je me serais désabonné direct. Bah écoute. Aidan veille sur nous. Donc pas de problème pour Jody. On y va ou... Alors on fait quoi? On fait les poubelles? On fait la manche? Ça marche comment? C'est quoi? C'est des cartons? C'est à nous ça? Il faut qu'on se fasse 5$. Ça c'est pour un truc chaud. Mets-toi ici. Peut-être qu'avec le froid, les gens seront plus généreux. Ok, on peut s'asseoir. Oh putain, ouais. Elle a bien l'air d'avoir froid. J'ai trop froid. Ouais. Elle a faim. Tu vas devoir attendre qu'on se fasse plus d'argent. Pense à autre chose. On n'a pas d'argent. Il faut pour se faire 5$. Bah, ça dépend de la générosité des gens. Je dirais... Peut-être 2 heures. Ou une semaine. Hey Stan. Je crois que ça sert à rien qu'on reste tous les deux au même endroit. Ouais. Je vais aller essayer par là. Bonne chance. Ok, du coup, je me rappelle d'une scène assez sympa. Alors, je ne sais plus comment on la déclenche. Je vous dirai ça le moment venu. Alors, je sais pas si on peut aborder les gens pour leur demander de la thune. Ça craint du boudin, mais bon. Monsieur ? Bon, bah non, on peut pas lui parler. Ok. Bon. On va continuer.
Une petite pièce, s'il vous plaît. J'ai faim. J'ai froid. Non, on peut pas parler aux gens, d'accord. C'est que de la bouffe. C'est trop dur. Quoi, j'ai pas compris la conversation. Il peut partir s'il était pas content. Et alors ? Ah d'accord. Impossible de suivre une conversation, c'est génial. On peut s'asseoir là. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous écrire ? Simple, sincère, allez hop. Ou amusant, ah j'aurais pu mettre amusant peut-être. Je ne sais pas. Please, help me. S'il vous plaît, aidez-moi. Ouais, non mais... Il y a moyen de faire autre chose de... d'intéressant que je veux voir absolument. Je me mettrai rediff parce que je comprends rien à l'histoire. Ah, c'est un jeu, faut suivre. Enfin, si on se n'accroche... Faut vraiment tout regarder parce que c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Alors, il y a une... Ouais. Un choix de facilité avec Aiden. On peut... Je veux annuler, je peux pas annuler ? Oh ! Bon bah écoutez, ça fera pas de mal à la banque, hein. On peut pas prendre cet argent, Aiden. Je suis pas une voleuse. Mais c'est pas... Bon. Laissez. Je voulais annuler avant, mais on ne pouvait pas, de toute façon. Ah ! J'ai vu en face, ce qui m'intéresse. C'est bon, pas de voiture qui nous roule dessus. Tout va bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ta guitare ? Ouais. J'ai failli me geler les doigts tout à l'heure en essayant de jouer avec ce froid glacial. Ouh. Tu veux essayer ? Te gêne pas. Bah oui. Alors non, ce n'est pas Telltale Games hein, qui est derrière ce jeu. C'est un studio français. David Cage. Donc c'est pas ceux qui ont fait Minecraft Story Mode ou The Walking Dead, rien à voir. Mais dans l'absolu, c'est plus ou moins le même style de jeu si on veut. Mais bon, vraiment très vaguement. Hein. Enfin c'est un jeu narratif quoi. Bon bah jolie prestation. Appuie sur le buzzer. Ouais, this is the voice. Merci. On a assez. Ah, elle s'est fait assez de thunes. Elle s'est fait au moins 5 dollars. Ça c'est cool.
Pas top. Toi ? Putain, Johnny ! Où est-ce que t'as dégoté tout ce fric ? Je l'ai trouvé. Il y avait un gars avec une guitare et... Je joue de la guitare, alors... Enfin, je me suis fait quelques dollars. Waouh, c'est génial. C'est vraiment génial. Reste ici. Je vais nous chercher à manger. Et donc oui, le studio Quantic Dream, c'est bien ça. Et du coup, on fait quoi, nous, en attendant ? Apparemment rien, j'ai pas le contrôle. Faut toujours qu'il y ait des trous du cul pour faire chier. Reculez, je vous ferai pas de mal. Regardez. On dirait que ce putain de Clodo a une petite copine. Vimsaed, on va te montrer ce qu'on fait aux raclures dans ton genre qui squattent dans nos rues. Petite garce. Tu sais pas qui je suis. Moi, je viens de la CIA. Cassez-vous les morveux. Ah non, ils veulent se battre. Ok. On va péter des dents. Hein. Ah non! Putain. Ah! Non, tout va bien. Merde, fallait esquiver. Je suis venu en frontal. Putain. Merde! Cette pute est cinglée! Ça reviendra, t'inquiète. Je me barre d'ici! Oh, hé! Comment t'as fait ça? J'ai appris à me battre à l'armée. Non, mais... Ils étaient quatre, ces mecs. Et t'étais toute seule. Oh, quatre losers. Ils savaient pas se battre. Allez, on fait mieux de se tirer avant qu'ils... Ok. Oh. Bon, c'était pas du perfect. On a quand même pris une droite. Mais rien de dramatique. Butlé, mais calmez-vous. Ah putain, elle veut encore sauter. Jody, Allez les gars, c'est prêt. Ah, quoique, le fait d'avoir des gens avec qui manger, déjà. Manger, allez Jody, viens te servir. J'arrive. Même un peu de chocolat en dessert. Du bon chocolat. Ça fait tellement longtemps que je sais même plus le goût que ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Stan ? Je me suis battu. Et sans Jody, j'y serais resté. Vous auriez dû voir ça ? Ils étaient quatre contre nous. Jody leur a botté le cul. On va pas parler des agresseurs, on va parler du bébé de Tuesday. C'est pour quand ton bébé ? Le mois prochain. Ça fait des jours que je l'ai pas senti. J'espère qu'elle va bien. Son petit ami l'a tabassé. Il voulait pas du bébé. Il l'aurait sûrement tué. Tuesday. Ça te vient d'où, ce nom ? C'est le jour où je suis partie. Le début de ma nouvelle vie.
Ok. Bon allez, on va parler un peu de Jimmy. Jimmy ? Est-ce que ça va ? J'ai froid. J'ai vraiment trop froid. Ah mais lui, il en manque... Et ouais. Ça se voit direct. T'es le meilleur youtubeur pour moi, merci. Walter ? Comment t'es arrivé ici ? Ben, j'étais prof dans un lycée. Jusqu'à ce que je puisse plus rembourser mon prêt. J'ai perdu ma maison, mon job, tous mes amis. Et je me suis retrouvé dans ce cul-de-sac. Et toi alors, Jody ? Tu nous as presque rien dit sur toi. Alors, comment est-ce que tu as fini dans la rue ? J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on se servait de moi. Je sais que ça va paraître très étrange, mais je suis différente. Et ça a foutu toute ma vie en l'air. T'as dit que t'étais différente, Jody. Comment ça ? Soyons énigmatiques. Mettons les formes. Je suis née avec un don. Oh, ce qu'ils appellent un don. Mais c'est une malédiction. Ça m'a gâché la vie. Ça a fait de moi... celle que je suis aujourd'hui. Un monstre. Une erreur. Quelqu'un que je déteste. On dirait que Jimmy n'est pas le seul à avoir un problème de cam. Quoi ? Il me traite de camé l'autre ? Il va se calmer. Alors pourquoi elle veut se suicider ? Pourquoi elle veut sauter ? Bah parce qu'elle est SDF, elle se fait harceler par les entités. Elle est à bout de nerfs, tout simplement. Elle n'en peut plus. Bon. On a bien mangé. Moi, je veux du chocolat. Stan, il est où mon chocolat ? Pauvre Jimmy. Non, moi, je pense au chocolat. On n'est pas en forme. Qu'est-ce que tu fais ? T'inquiète pas. Attends, elle peut soigner les autres ? Non, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah non ! Elle veut lire... d'accord. Excusez-moi, je pensais qu'elle voulait... essayer de le soigner ou je sais pas quoi. Jody, ça va ? Stan, mon amour. Oh, Jody, arrête, c'est pas drôle. Ça fait tellement longtemps, Stan. 4 longues années. Nancy. Nancy, c'est... c'est bien toi ? C'est bien moi, mon amour. Je ne suis pas partie. Je suis restée près de toi tout ce temps. C'est pas vrai. Ça me brise le cœur de te voir aussi seule, aussi désespérée. C'est dur, Nancy. C'est trop dur. Je me sens tellement vide sans toi, mon amour. Tellement vide. Arrête de vivre dans le passé, Stan. Rien ne changera ce qu'on a vécu tous les deux. Mais maintenant, tu dois reprendre ta vie, trouver du travail, tomber amoureux et réapprendre à vivre. Pour moi, Stan, fais-le pour moi. Qu'est-ce que tu manques ? T'imagines pas à quel point tu manques ? Putain de miracle. Jody. Merci.
Et le chocolat? Il est où le chocolat?